Et au départ, les gens nous prenaient vraiment pour des fous, mais nous, on savait où on voulait rencontrer. Je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, je suis fondateur et CEO d'Agricool. Et on est en train de créer un modèle d'agriculture du futur pour permettre de nourrir la planète sans pesticides avec du goût. Donc moi, je suis fils d'agriculteur, beau-fils, petit-fils, neveu, enfin, je crois que tu peux faire à peu près tout le tour d'agriculteur et originaire du Nord, sur la côte d'Opale. Voilà, donc j'ai grandi à la ferme avec des parents qui produisaient des pommes de terre, des carottes. Moi, je savais pas trop ce que je voulais faire, je savais vraiment ce que je voulais pas faire. J'ai voulu être dans tout ce qui était... En vrai, le mono, ça aurait été entrepreneuriat, mais à l'époque, c'était plutôt inventeur, créateur. Quand on invente, on est forcément en train de remettre en partie en question des modèles existants. Et moi, j'ai toujours trouvé que quand on est petit, c'est pas évident parce qu'on n'est pas écouté, tout simplement. J'ai habité en ville pendant toutes mes études, j'ai beaucoup voyagé et tout. Mais comment c'est possible que je retrouve pas du tout ce avec quoi j'ai grandi en termes de qualité de fruits et légumes? Donc on s'est dit, ok, on va prendre une brique de Lego et il se trouvait qu'un conteneur c'était parfait pour ça. Et à l'intérieur, on va se démerder pour créer ce paradis pour fraises super productif sans pesticides qu'on puisse mettre dans la vigne. On a démarré ça en 2015 et dans ces fraises-là, on a eu des fraises super bonnes. Et je sais pas aujourd'hui comment c'est possible vu ce qu'on avait utilisé comme techno. Et t'as vraiment des gens qui nous disaient, mais j'ai jamais mangé une fraise comme ça. Je ressens qu'on est vraiment au début. Après, j'ai la chance d'avoir un père agriculteur, mais très entrepreneur dans l'âme, qui laisse beaucoup d'espace à la réflexion et à la créativité. Dans un monde qui change, il faudrait plus s'attaquer aux problèmes importants. Tu vois, est-ce que quand tu auras 80 ans, tu te retourneras et tu te diras « Putain, j'ai utilisé vraiment mon cerveau pour moi. » Et je pense que ça, c'est fondamental. Je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, je suis fondateur et CEO d'Agricool.